Les gars, c'est Yosava Shoji, je vais vous montrer comment enlever le bruit de fond de n'importe quelle vidéo. Alors pour ça, du coup, j'ai pris une vidéo qui a un bruit de fond. Et je vais vous montrer du coup comment l'enlève. Alors c'est super simple. Ça peut prendre beaucoup de temps. Alors pour ça, il faudra aller dans Fenêtre, Espace de travail, Audio. Ou sinon, vous allez directement dans la barre en haut et vous cliquez sur Audio. En fait, vous expliquez comment l'ouvrir de façon différente, parce que parfois le audio dans la barre qui est en haut, bah, il apparaît pas. Pour supprimer l'effet de son, et bah, ça va être super simple. Vous prenez votre clip, vous allez supprimer le bruit de fond, moi par exemple c'est celui-là. Et après vous allez voir sur la droite, c'est marqué dialogue, musique, effet sonore ou ambiance. Vous choisissez ce qui dialogue. Et une fois que vous êtes sur dialogue, vous cliquez sur réparer. Normalement, ça va être marqué réduction du bruit, réduire le ronronnement, DM, DSE, réduction de réverbération. Le premier truc que vous allez faire, c'est que vous allez cocher la case réduction de bruit et vous allez jouer avec tout simplement la barre de réduction de bruit. Pour ma part, je vais mettre ça là. Et j'ai presque plus de bruit de fond en fait. Là du coup j'ai presque plus de bruit de fond sur ma vidéo. Je vous conseille de faire ça sur ma vidéo pour que votre vidéo ait une meilleure qualité, qu'elle soit plus agréable à écouter, parce qu'une vidéo YouTube en fait c'est pas la qualité de l'image qui fait une bonne vidéo, c'est surtout le son joue énormément. Si vous avez une qualité genre du 720p, c'est pas grave, l'œil s'y habitue, mais le son, l'oreille ne s'habitue pas à un mauvais son. Si ça grésille, etc., vous allez avoir des problèmes en fait. Vous allez perdre le spectateur tout simplement parce que le son ne sera pas agréable. Votre vidéo elle sera zappée en fait, juste à cause du son, à cause de votre bruit de fond. Alors vous pouvez facilement le réduire, voire le supprimer en modifiant juste ce paramètre-ci.